Ok, reprenons. Il nous reste. On commence un peu à s'approcher de la fin. Je vois qu'il y a des super tactiques. Bon, les super tactiques, je les ferai pas. Donc ça s'arrête. Ouais, sauf. Ouais, ça me fait mal pour le talisman, mais je ferai pas le tactique. Parce que ben, pour moi, je classe des super techniques, pas des super tactiques. Donc on s'arrêtera à la main Oméga. Alors. Passage en force 3. Ça va, c'est plutôt cool comme technique. Ensuite, le boulet de canon, c'est vraiment une technique qui est bof, hein. Elle est vraiment bof cette technique. C'est un peu une lance des ténèbres, mais au moins bien. Ah ça par contre. Celle-là, je la mets dans épique. Épique. La barrière endiablée, je la trouve très très stylée. Je l'utilisais beaucoup de fois avec Shadow et c'était génial. Toile d'araignée, alors là, c'est mauvais. C'est une très mauvaise technique, j'aime pas du tout. Alors, main céleste X et main de l'âme. Hector, j'aime bien, mais c'est pas forcément un perso que j'adore. Je vais mettre la main céleste X dans plutôt cool. Et la main de l'âme dans mythique. Et non, ouais, celle-là, je vais la mettre épique, parce que main céleste X, c'est vraiment une technique épique. Mais en fait, je préfère la main céleste X que la main de l'âme quand même. Du coup, je vais mettre main céleste X dans mythique. Et main de lame dans épique. Double mâchoire, elle est cool, franchement. C'est une technique un peu random, mais je la mets dans épique. Je l'aime beaucoup cette technique. Ça tire en duo, voilà quoi. Ah, l'arrêt céleste, ça c'est vraiment la technique de marque la plus stylée. Sauf exception. On va la mettre dans mythique. L'arrêt céleste, c'est vraiment genre, la technique. Bon, la frappe stellaire, je sais que vous adorez tous cette technique, c'est une des techniques les plus appréciées par les fans. Par les fans. On va le mettre dans légendaire. Et une légendary de plus. Alors, Grando Cracker, comment ça s'appelle déjà en français? Choc sismique, c'est ça. C'est choc sismique, on va le mettre dans normal. Planche volante, c'est sympa, donc on va le mettre dans plutôt cool. Ensuite, rayon X, ben, j'ai du mal avec Hector en attaque, je suis plus Hector gardien, donc je vais la mettre dans plutôt cool, parce que la technique en soi, elle est bien. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est Big Bang. Ah, le Big Bang, ouais. Franchement, c'est une très belle technique. On va la mettre dans mythique. Par contre, je me suis trompé. C'était pas la main de l'âme, ça c'était la main céleste rouge. La main céleste de Hector. Donc moi, je vais la mettre pareil que la main céleste de Darren. Je vais la mettre ici parce que pour moi, c'est pas la vraie main céleste. C'est pas la main céleste que nous, on a connue. Mais la main de l'âme, ne t'inquiète pas que je vais la mettre là-haut. Oui, c'est bon, Jean-Kevin, 8 ans et demi, t'inquiète, t'es pas... tu peux retirer ton commentaire où tu disais « Ouais, Talisman, tu t'es trompé, c'était pas la main de l'âme, ça. » C'est bon, je me suis rectifié. Ouragan Inazuma. Où est-ce que je vais foutre cette technique? Parce que l'Ouragan Inazuma, c'est quand même la technique finale d'Inazuma Eleven. C'était la technique la plus puissante d'Inazuma Eleven 1, 2 et 3. C'est vraiment... La technique emblématique d'Inazuma. C'est vraiment un icône. On te demande quel est le plus puissant tir. Tu penses à ça direct. Je le mets dans le légendaire. Et on arrive dans les techniques de film. Alors, ça, j'aime pas du tout. Pareil pour celle-là, je la mets dans bof. Ça va, normal. La lance des ténèbres, par contre, elle est beaucoup plus stylée. Je la mets dans plutôt cool. Non, dans... Ouais, dans Mythique, c'est bien. Ensuite, Brasier Absolu. Alors, je vais la mettre dans plutôt cool. Je sais que vous allez me détester. Mais pour moi, y a... Axel, il a des techniques plus stylées que le Brasier Absolu. Ensuite, Canon Céleste. Aïe, 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 aïe. On se retrouve sur Ghost Striker. On va mettre ça. Dans mythique. On va pas mettre ça dans légendaire, j'ai failli, mais au final non.
Bah en fait, j'aime pas Lucifer, j'aime pas les techniques de Lucifer, donc bon. Légende suprême, elle est stylée, mais je trouve qu'elle est un peu tirée par les cheveux quand tu les vois tourner en l'air là. Et tout. Je vais la mettre dans épique parce que c'est une technique qui est épique, mais elle mérite pas plus, je trouve. On arrive sur les deux dernières techniques. Donc, choc des ténèbres ou tir apocalyptique. C'est les. Non, mythique. Presque légendaire. Et pour terminer, la main Omega. Omega The Andor. Extrêmement stylée. On peut la mettre dans légendaire. Et eh bien voilà, c'est triste parce qu'on s'arrête sur un talisman qui est ici tout seul pour le blocage spectral. Mais c'est pas une super technique, donc je ne le compterai pas. Donc c'est là-dessus que l'on va s'arrêter. Donc je vais vous montrer une dernière fois la tier list, à quoi elle ressemble. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. Donc là, j'avoue, j'ai tout tourné d'un coup. Je vais passer beaucoup de temps à monter ça parce qu'en fait, je m'attendais pas que ça dure autant de temps. Et tout simplement, je vais devoir galérer pour les montages. Donc on va s'arrêter là-dessus. Je vais juste trier les techniques légendaires dans mon ordre de préférence. Donc ça va être d'abord ça, ça, comme ça, comme ça, comme ça. Hop, hop, hop. Et voilà. C'est dans cet ordre-là. Non, non, pas le phénix ici. Voilà. Voilà, du coup, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci en tout cas d'avoir suivi les deux ou trois épisodes. Je sais pas combien de temps ça a duré. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'était Mr. Chitalisman. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!